Salutations les amis, aujourd'hui nous sommes le 25-08-2017 et nous sommes sur le relais de Pluton. Nous allons voir Baroquiter. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on va sur console après. Avant de commencer de voir ce que le Baroquiter nous apporte, juste une petite information actualité. Il n'y a pas eu de vidéo cette semaine dernière parce que il y avait deux raisons. De base, j'avais envie de me donner des congés, voilà. Et de deux, j'étais avec la famille, voilà. C'est très simple. D'ailleurs, c'est pour cela que Baroquiter également, celle-ci sort tard un petit peu parce que j'étais également avec de la famille et je suis rentré un petit peu tard. D'ailleurs, après ça, je vais faire le montage et après me coucher. Voilà, si vous voulez savoir. Pour ceux qui sont curieux. Bref, on s'en fout de ma vie. On va aller voir ce qu'il nous apporte ce petit Baroquiter. Alors, des jambières Kiter pour décorer. Donc, on prend ça direct parce que c'est nouveau. Attaque accrue, secousse, donc augmente les chances de dégâts électriques et chances de statut. Donc je pense qu'il est complet. Ouais, donc on a pour le mêlée la même chose, fusil la même chose et fusil à pompe la même chose. Bon, là c'était pour pistolet. On a le Vulcar Weiss et le plastron qui terre l'achat de Prisma. Pas mal, pas mal. Le masque de sentinelle, tête, machette Prisma. On a une aspect de Scimitar Prisma. On a diffusé Kitter pour décorer. Et un boost d'infinité de 3 jours. Et la quête d'Inaros. Voilà ce qu'il y a sur PC. Pas grand chose. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Eh ben, c'est très simple. Le mode accru, comme d'habitude, c'est très important. Ça peut se revendre, etc. Surtout que les chances augmentent beaucoup comparé à l'original. Ensuite, les modes de statut qui augmentent les chances de statut et électrique. Le complet, ça peut toujours se revendre. Et en plus, c'est des bons modes qui sont très utiles. Le Vucarwes, donc une arme à monter ou une arme que vous devez compléter. Donc voilà, si ça vous plaît. On a l'achat de Prisma qui est une bonne sentinelle que je vous recommande également, que vous pouvez la tester. Les skins, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si ça vous plaît ou pas, c'est vous qui choisissez tout ce qui est skin, décoration. Voilà. Et pour la quête d'Inaros, vous connaissez la chanson. Si vous l'avez pas la Warframe et vous l'avez pas testée, je vous invite à la faire. Et le boost d'infinité. Si vous avez besoin d'XP, vous connaissez la chanson. Je vous conseille de récupérer un boost d'infinité et de l'accumuler. Voilà. Voilà ce qu'il y avait sur PC. Donc nous allons passer au passage console. Je vous donne à tout de suite les amis. Voilà les amis, nous voilà sur le relais de Eris sur console. Alors voyons voir. On a un boost de crédit de 3 jours, le glisse de barreau Kiter, aile de sentinelle Kiter, Siondana Kiter, armure de Kiter pour les Cubro, et une aspect de flèche Kiter, une motif de pelage Nexus donc pour les Cubro, la Détromara et continuité accrue, balle cryogénique accrue et transformateur de morphique accrue. Voilà, qui augmente la puissance de pouvoir parachute. Et une aspect de la gratte jumeau, un skin. Et la présentation Kiter qui était sortie sur PC. Voilà, ce qui est logique. Et pour le dernier, les sables d'Inaros. Voilà, tout simplement la quête. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour certains? Déjà, le boost de crédit, si vous avez besoin de crédit. Ensuite, il y a beaucoup de skins, donc des skins, la flèche, tout ça, bon, c'est vous qui choisissez. Comme d'habitude, les accrus, si vous n'avez pas les modes accrus, ou que vous n'en avez pas suffisamment pour faire du commerce, ça peut toujours être utile, ou à compléter les modes manquants. Ensuite, la Détromara pour montrer votre level, et après, je vous dirai la quête d'Inaros. Voilà ce qui est le plus important à récupérer si jamais, dans tous les cas, vous n'êtes pas riche en Ducat. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Armes et mode accru et la quête. Après tout le reste c'est du skin. C'est vous qui choisissez. Voilà ce qu'il y avait sur Baroquiter PC et console. N'hésitez pas à donner votre avis sur le Baroquiter actuel. Avant de partir, je tiens à vous informer que je prépare quelque chose pour les mois à venir. Ça prend du temps, je vous tiens au courant. Pour ceux qui sont sur Twitter, vous êtes déjà un petit peu au courant depuis un moment. J'y travaille avec un pote. C'est un projet qu'on y travaille, voilà.
Ensuite, vous inquiétez pas, les vidéos à l'ancienne que je faisais comme d'habitude, c'est vrai qu'actuellement il y a moins de vidéos intéressantes sur, sur Warframe, il y a que du Baroque Terre, mais vous inquiétez pas, les vidéos tuto ou autres actualités sur les choses intéressantes viendra. Voilà. Il y a bientôt Hydroid Prime, donc normalement d'ici par là il y aura du contenu intéressant, je reviendrai en force. Voilà. Et il y a aussi des vidéos Fortnite qui arrivent. Voilà. Sur ce, bye bye tout le monde, ciao.